Il vole un départ imminent. Les voilà partis donc pour cette deuxième épreuve. Le prix du fond est point prix Horse Breed, une course sur la distance de 2000 mètres. Et c'est tout de suite le numéro 6 qui était le plus vite en jambes au départ. Il s'agit de Iago de Senneville qui a pris un excellent départ avec Golden Visay qui est bien calé dans son dos avec Joviana qui n'est pas loin du tout, tentant de regagner du terrain actuellement sur les premiers. On patiente pour l'instant à l'arrière-garde avec Golden Visay mais également avec Elise Cabéry ou encore Folie Blonde qui est également au centre du peloton. Les concurrents abordent le bout de la ligne d'en face et toujours la même impulsion en tête actuellement avec Iago de Senneville numéro 6 qui a toujours les choses bien en main alors qu'on vient en seconde position maintenant tenter de refaire du terrain avec Elise Cabéry qui est à l'extérieur. Joviana est dans le dos des premiers et également au centre. On est là également avec Golden Visay qui va maintenant tenter de regagner des rangs à l'extérieur. Les concurrents qui sont maintenant dans le tournant et pas de changement notable en tête avec Iago de Senneville qui emmène le peloton avec un très léger avantage avec Joviana maintenant qui va tenter de venir lui mettre la pression, le même que Folie Blonde avec Kim de Beaune qui est là également et qui est au centre tentant de maintenant progresser dans le dos des premiers. Les concurrents qui sont dans le dernier tournant et toujours la même impulsion en tête avec Iago de Senneville qui avantage mais qui va faire face aux attaques maintenant alors qu'on se rapproche à l'extérieur avec Golden Visay également, avec Folie Blonde qui tente de refaire du terrain. Elise Cabéry n'est pas loin du tout également. Les concurrents qui sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final. Et on a toujours l'avantage avec Iago de Senneville qui va tenter de mener sa tâche à bien après avoir supporté le poids de la course. Mais voilà Golden Visay qui se rapproche à l'extérieur de même que Folie Blonde qui termine en trombe sur les premiers. Les concurrents qui sont maintenant aux abords du disque final. Ils sont trois pour la victoire avec Golden Visay à l'extérieur avec Folie Blonde. Iago de Senneville qui est plus côté corde. Les concurrents qui sont maintenant aux abords du poteau. Ce sera très serré pour la victoire, mais c'est semble-t-il le numéro 5 qui va s'imposer. Il s'agit d'Elise Cabéry qui est peut-être parvenue à arracher la décision sur le poteau.